Donc on va laisser mamie ton parti. Donc vous et moi, nous allons régler. Je ne peux pas, je n'ai pas le... Mamie, il paraît que la situation de mamie ton se complique. Hein? Écoutons un peu Aïcha. Donc on va laisser mamie ton parti. Donc vous et moi, nous allons régler. Je ne peux pas, je n'ai pas le cœur là. Yeah, mamie ton grand de parti, donc on va regarder millions et millions. Je ne peux pas moi. Hier, j'ai dormi sans dormir. Millions et millions, la situation s'aggrave seulement. Si on ne se lève pas, je n'ai pas envie de voir repose en paix concernant mamie Tong. Je n'ai pas envie. Je vois les gens polémiquer. L'un n'est pas polémique. Tu vois que tu ne peux pas donner, tu pries. Vous allez dire que les stars ne participent jamais pour vous. Moi, je participe. J'ai un compte Orange Money où ça me sert seulement à envoyer l'argent aux gens du Cameroun. Je peux prouver. Mais ici n'est pas encore là au prouving. Demain, si vous voulez, je peux vous prouver. Millions et millions, je prône toujours le partage, la solidarité. Faut pas que les gens disent seulement que nous sommes forts pour faire le Congo ça. J'implore le Seigneur qui puisse toucher vos cœurs. Toutes les âmes de bonne volonté, j'appelle à la diaspora. Que chacun met 10 euros. Pendant le stress ici, là, vous mettez les films de Mamie Tong, vous regardez. Ça vous touche, ça vous égaye. Vous regardez les films de Mamie Tong. Vous ne pouvez pas laisser Mamie Tong partir, ou la grande partie là. Pas question d'orgueil. On va faire le Congo ça après. On va même cogner la personne qui a fait le communiqué là après. Mais millions et millions, je ne peux pas regarder. Mais quand finalement, tu m'as mis ton gros nez. Mamie Tong, Mamie Tong en grande partie, millions et millions. Si on ne fait rien, vous voulez qu'on écrit RIP, on pleure Cabrel tous les jours. Mais je suis sûr que s'il fallait cotiser pour sauver la vie de Cabrel, on aurait fait. Si vous ne pouvez pas, interpellons le ministre de la Culture. Papa, qu'une seule fois le Seigneur touche ton cœur et que tu fasses quelque chose pour Mamie Tong. Voilà une personne qui a contribué à élever la culture camerounaise. Je ne connais pas le nom du... Mamie Tong n'a jamais touché même 1 million de droits d'auteur. Avec tout ce qu'elle fait, Mamie Tong. Mamie Tong s'est toujours battue pour élever ses enfants. Elle seule comme moi-ci, mais abandonnée. Elle s'est battue. Les petits contrats et consorts et consorts. Quand je vous dis que vos stars n'ont rien, je parle de la réalité. Interpellez vos stars tous les jours qui nous montrent qu'ils ont que les voitures, les maisons et consorts. Maman, moi, je n'ai moi rien. J'ai acheté ma pauvre cabane que je suis en train de me battre pour retaper. C'est en train de me dépasser même. Je vous dis moi la vérité. Je n'ai rien. Mais millions et millions, je ne peux pas rester là comme ça. M'en croiser. Voir comment la situation est en train de s'empirer. Seulement entre samedi et lundi, les frais hospitaliers s'élèvent à 1 200 francs CFA. Seulement que samedi, dimanche et lundi, vous imaginez. On a plongé Mamie Tong dans un coma artificiel pour limiter les dégâts. Donc imaginez à quel point, je vous épargne les détails. Parce que ce n'est pas à moi de venir vous donner les détails. Mais je sais que vous avez besoin de savoir où est-ce que votre argent doit aller. Millions et millions, soyons moins égoïstes. La diaspora camerounaise, vous connaissez le stress qu'il y a en Bénin. Vous mettez les films de Mamie Tong, vous regardez, ça vous fait passer le temps. Ça vous rappelle le pays, la nostalgie. Mamie Tong a été une femme toujours joviale, qui a toujours transmis la bonne humeur et consort. Nous n'allons pas la regarder partir et ne rien faire. Je cultive toujours l'amour et la solidarité. Je m'adresse ici à mes lions et mes lions. Tu n'es pas une lionne, ne te sens pas concernée par ce message. Tu n'es pas un lion, ne te sens pas concernée par ce message. Mes lions et mes lionnes m'écoutent. C'est à eux que je m'adresse. Parce que je sais les commentaires des aigris qui vont dire, si tu ne veux pas donner, pardon, prie papa. Sinon, moi, je vais te bloquer de ma page. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Donc, mes lions et mes lionnes, pardon. 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 Au nom de votre mère que je suis. Au nom de la mère des lionnes, pardon. Contribuez. Je me mets à genoux. Si vous voulez même que je ne me suis jamais mise à genoux pour quelqu'un ici là sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez que je me mette à genoux, je vais me mettre à genoux. Apaisez vos cœurs. Je sais que beaucoup de personnes sont remontées par le communiqué. Mais apaisez vos cœurs. On va faire le Congo ça après. Je vais vous raconter après. Parce que là, ça ne sert à rien que je viens vous dire que tel a fait que l'autre. Ça ne va pas aider Mamie Tong pour l'instant. Montrez d'abord que nous pouvons être solidaires. C'est la solidarité. Vous savez qu'on a un gouvernement qui ne se soucie pas de nous. Mais avec la solidarité, c'est important, millions et millions. Surtout pour une personne qui a contribué. Parce que vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Quand vous regardez les sketchs de Mamie Tong, elle a contribué à vous égayer, à vous divertir, à vous distraire. Quand je me tue à vous dire que le cinéma camerounais ne paye rien, c'est vous encore qui venez m'insulter. C'est vous encore qui venez mal me parler. Mais néanmoins, je vous dis moi ma part de vérité et puis je sors sur ça. Millions et millions, faites un geste à la hauteur de vos moyens. On dit que celui qui a même 100 francs, est-ce que vous imaginez, on ne demande pas plus. 100 francs fois 1 million de personnes, vous savez ça, combien ça peut faire? J'ai dit 100 francs, 1 million de personnes. Que chacun ici là dans la diaspora, parce que la plateforme que j'ai mise ici là, ça prend, donc si tu as Orange Money, un petit, tous les moyens de paiement ça prend. Donc même si tu as un Émirat arabe, même si tu es n'importe où, 10 dollars,
Quelqu'un ne peut pas manquer 5 euros pour Mamie Tong. Faites pour Mamie Tong. Mamie Tong n'a rien. Qu'on ne vous manque pas. Mamie Tong n'a rien. Quand je vous parle que les contrats que vous voyez comme ça, on paye quelqu'un 3. Comme je vous disais donc, vous dites que les stars ont l'argent. On paye. Mamie Tong, par exemple, on peut compter le nombre de plateaux sur lesquels elle a tourné. Elle a ses enfants. La scolarité, vous connaissez comment c'est. Elle avait une de ses filles qu'on avait amputé le pied. Tout ça là. Mamie Tong, elle-même a ses problèmes. Tu vas prendre 300 000 sur un plateau. Tu as les charges. Ça finit en coco. Rares sont les acteurs qui touchent 1 million sur un plateau. Quand je vous parle des réalités, vous pensez que moi je suis jalouse. Les actrices qui viennent vous vendre le rêve là. Je vous ai dit que la majorité c'est la vente de piment. Je vous ai dit que la majorité c'est le piment. Ce n'est pas le cinéma. Je dis et je répète encore. La majorité c'est le piment à soc. Ce n'est pas le cinéma qui leur donne l'argent. Vous voulez que quoi? Que même les vieilles mamans là vont aller vendre le piment. Chacun sait comment il accroche son sac. Vous comprenez, non, millions et millions. Chacun sait comment il accroche. Moi-même, j'ai mes premiers. Vous n'avez jamais dit ça que moi, je suis moins riche. Tout que quelqu'un regarde quelque part, j'ai dit tout que moi, je me débrouille. On m'a abandonné avec 2 enfants. Je me démerde. J'ai acheté ma petite cabane que je suis en train de rénover un peu. Donc, moi, les gens m'ont dit que même Aïcha Kamouaz seule peut gérer. Je ne peux pas gérer seule, papa. Parce que tu ne connais pas mes problèmes. Tu ne connais pas mes problèmes. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un ça que j'étais riche. Je me débrouille. Je vends Kamouaz Beauty un peu. Si les lions et les lions n'achètent pas, vous pensez que je vais prendre l'argent où? Ce mois-ci, même si je vous dis que je n'ai même pas encore vendu 1000 euros, ce mois-ci, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Ne laissons pas, Mamie Tong. Faisons du mieux afin que le pire n'arrive pas. Afin, parce que si je savais, vient toujours trop tard. Je ne veux pas dire que si je savais, si j'avais su, je ne veux pas. Chacun joue sa partition. L'acteur qui voit qui va mettre pour lui, mais l'acteur qui voit qui va partager le poste, si il partage. Mais j'ai dit encore, aujourd'hui c'est elle, demain ça peut être vous. Chacun son tour. Voilà, je pense que Aïcha nous a tout dit. Moi, je n'ai plus rien à ajouter. Je vais juste laisser le lien de la cagnotte en commentaire. Donc, cliquez sur le lien là pour ceux qui ont la main sur le cœur. En passant, que Dieu bénisse vraiment. Restons en prière. Que Dieu bénisse Mamie Tong. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.